J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de cheveux. J'avais très envie de faire ça, ça fait super longtemps en fait que j'ai envie de me couper les cheveux. Et personne dans mon entourage veut le faire. Genre mon mec il a un peu peur, j'ai demandé aussi à une collègue, elle avait pas envie. Du coup je me suis dit que j'allais le faire moi-même. J'allais voir une petite vidéo de comment couper ses cheveux droits. Parce que moi j'aime vraiment quand ça fait bien droit derrière, je trouve ça trop beau. Et vu que j'ai les cheveux longs, c'est plus facile que si on a un carré. Donc je vous montre un petit peu ma longueur. Voilà. Donc là, je les ai fraîchement lavés. Vous voyez, ils sont encore un petit peu humides. Et que je vous montre un peu, là, ils sont, on va dire, un peu en V. Vu qu'ils sont mouillés, on voit pas bien, mais ils sont plutôt en V. Est-ce qu'on voit? Pas tout à fait. Donc, voilà. J'espère que ça va marcher hein, parce que sinon je vais être un peu deg. Je sais pas si je me recoupe les petits cheveux de devant. On va voir ça après. Déjà je vais chercher mon matériel. Je vous conseille de prendre des ciseaux de... J'ai l'air de couture. Des ciseaux pour cheveux quoi. J'en ai pas et mes ciseaux qui coupent le mieux c'est ceux-là. Donc voilà. J'ai une autre paire mais ils coupent vraiment mal. Donc voilà. Du coup ouais je vais le faire sur cheveux un peu... entre humide et sec. Et qu'est-ce que je voulais dire. Et j'ai mis un petit peu d'huile dans mes cheveux avant pour bien les démêler. Du coup je les démêle bien avec ce peigne là comme ça. Au moins c'est bon. Merde. Du coup donc la technique, donc je ne l'ai pas inventée, je suis allée voir sur internet. Donc apparemment il faut séparer ses cheveux en deux. Moi j'ai toujours la raie au milieu comme ça. Donc je vais venir séparer derrière, hop, en deux parties comme ça. Et donc là apparemment ce qu'il faut faire, je vais essayer de vous baisser un poil pour... Ce qu'il faut faire c'est qu'il faut du coup venir prendre en fait... Donc il faut pencher un petit peu sa tête... Et en fait on va venir couper Attendez, faut que je regarde parce que si je me trompe de sens c'est foutu. On va vérifier ça. Voilà, faut que ça remonte dans ce sens. Et moi on voit que ça va dans l'autre. En gros faut que vos cheveux ils fassent plus comme ça. Bon j'exagère mais plutôt comme ça. Et moi on voit bien qu'ils sont comme ça donc pas étonnant qu'ils partent en V. Donc du coup j'ai dit on tire la tête là. J'ai peur. Faire mais ça fait pas très très prononcé encore. Donc on tire un temps la tête. En fait moi j'ai vraiment des cheveux qui sont plus courts à des endroits donc c'est un peu la galère. Ils sont pas tous pareils. On regarde par rapport à l'autre côté, vous voyez que j'ai déjà un peu coupé. Donc on va faire pareil ici. Donc on tend la tête. J'ai mon peigne qui a perdu un morceau. Bon. Alors, et du coup elle dit de regarder à chaque fois si c'est droit. Je crois que je vais devoir sécher mes cheveux et continuer parce qu'en fait, vu qu'ils sont mouillés, ils font un peu des formes cheloues. Je préfère, je me les sécher vite fait, je vais bien les lisser et on va reprendre parce que j'ai peur de faire du caca. Bon, me revoilà. Du coup j'ai séché mes cheveux et je les ai lissés.
Ça va être plus pratique parce que là j'y voyais rien. Je vais déjà regarder où ça en est. Ça me paraît pas trop mal, je pense que je peux faire encore un peu plus droit du coup. Donc c'est reparti. Donc je prends, je tends. Genre en vrai faut que je coupe grave si je veux que ça fasse comme elle. Ça fait quand même beaucoup là. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. En vrai c'est vrai qu'ici c'est déjà plus joli. Je refais là. Je tends. Ici. On rejette derrière. Vous êtes les premiers à voir, moi je vois pas bien si c'est droit ou pas. J'ai l'impression que c'est pas trop dégueu. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre. Je vais refaire ma raie au milieu. Et je vais regarder s'ils sont bien pareils là, vous voyez. Bon, me revoilà un petit moment après. Je me suis maquillée. J'ai relissé mes cheveux parce que il fait tellement chaud qu'ils commençaient à re-onduler machin. Du coup je pense qu'on est pas trop mal. J'ai refait la technique en fait, ils étaient, ce côté là était plus long. Et là du coup vous pouvez voir qu'ici ils sont plutôt bien droits pareil. En fait le seul truc chiant c'est que là vous voyez j'ai des mèches toutes petites. Normalement ça doit plus remonter. Là ça descend mais c'est pas grave. Je vais vous montrer de derrière. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Enfin, je les brosse bien. Bon, je viens de regarder le résultat sur les rushs. Je suis plutôt contente, c'est assez bien. J'aimerais vraiment qu'il soit hyper droit. Mais bon, en fait, il faut que j'attende que ça repousse. Parce que là, si je fais droit droit, je vais devoir couper trop en fait. Parce que mes mèches sur les côtés remontent beaucoup trop. En fait, j'étais allée chez une coiffeuse et j'avais les cheveux hyper abîmés. Et du coup, je sais pas pourquoi, genre, elle m'avait coupé, mais un V hyper comme ça. Du coup voilà, je voulais attendre que les mèches des côtés repoussent avant que ce soit bien droit. Mais je trouve ça quand même beaucoup mieux qu'au début. On est quand même plus sur un truc en U qu'en V on va dire. Donc c'est pour bientôt. Et franchement ça leur a fait grave du bien. Genre là, quand je suis comme ça et que je vois les bouts là bien droits, on dirait qu'ils sont en grave bonne santé. Ils sont tout légers, tout brillants. Franchement ça leur a fait vraiment du bien là. Regardez-moi ces pointes, il n'y a pas une fourche, elles sont trop belles. Je suis trop trop contente. Voilà, on dirait pas qu'ils sont plus courts, non, franchement, ils sont bien, ils sont toujours longs. Non, je suis très très contente. Voilà, n'hésitez pas à reproduire cette technique, faites bien attention. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est mieux comme ça, il pourra quand même faire un truc bien droit. Mais si vous êtes tout seul, voilà, essayez cette technique. Prenez vraiment votre temps, allez-y petit à petit. Faites pas les choses précipitamment et après c'est trop tard. Voilà, vraiment, vous coupez un tout petit peu. Vous regardez derrière si c'est droit ou pas, vous réajustez petit à petit, voilà. Je ne veux pas être responsable de vos catastrophes capillaires. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Me retrouver aussi sur mon Instagram qui est @coco.dr. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.